L'esprit de l'amigo est basé sur trois principes qui sont l'individualité. Individualité parce que chaque hôtel a son propre caractère et de ce fait, tout le personnel de l'hôtel traite les clients de manière individuelle. C'est basé également sur l'authenticité de la ville. Et ensuite, c'est la famille Roccoforte qui sont des hôteliers depuis 4 générations. Et donc, tout le personnel est imprégné par cette philosophie. On privilégie un service de qualité, les attentes du client, on essaie de leur donner ce qu'ils nous demandent. On fait un service qui est sur mesure. L'hôtel Amigo a une très belle histoire. En fait, l'hôtel était une prison. Dans le 15e siècle, les soldats espagnols ont occupé la ville et eux, ils ne comprenaient pas la langue flamande. Et ils ont compris les mots prison en flamand vrend, ils ont compris amigo, donc friend. Et ça, Bruxelles adorait ce jeu de mots et ils ont nommé la rue, rue de l'amigo, et ensuite l'hôtel a gardé ses noms. Ensuite, en 1957, pendant l'exposition universelle, une famille de Bruxelles a repris les bâtiments et l'a converti en hôtel jusqu'en 2000, quand la famille Roccoforte l'a repris et l'a entièrement rénové. Nous venons de lancer un calendrier des dates pour des concerts, donc tous les jeudis soirs au bar de l'Amigo. Nous avons soit un DJ ou des soirées musicales à thème. On organise aussi des concerts de musique classique dans notre salle ambassadeur. Donc ce sont 3 concerts par an avec la présence d'un soprano par exemple. Nous avons aussi des soirées spéciales dans notre restaurant Bocconi avec la présence de notre chef, le maestro Fulvio Pierangelini, qui propose une carte spéciale, par exemple des soirées dédiées à la cuisine sicilienne et qui amène aussi les produits de la Sicile comme les fameuses oranges à la vanille qui sont cultivées là-bas. L'hôtel travaille énormément avec une clientèle internationale, mais reste aussi une adresse incontournable pour la ville de Bruxelles. Par exemple, l'hôtel est un peu le lieu d'élection pour beaucoup de couples qui souhaitent célébrer ici leur mariage. Mais aussi le Bocconi reste une adresse incontournable pour un peu la ville politique de Bruxelles. Il y a beaucoup de politiciens, chefs d'État aussi, ambassadeurs, qui aiment bien se retrouver au restaurant Bocconi parce qu'ils apprécient bien sûr la qualité de notre restauration aussi bien que l'ambiance feutrée du restaurant. Donc on est le seul hôtel virtuoso de la Belgique et le seul leading hotel of the world. Pour nous, le luxe, c'est l'individualité. C'est vraiment de traiter chaque client d'une façon différente, de lui donner un peu le sentiment d'être comme à la maison. En fait, il y a quelque chose que j'aime bien, que Serroc dit souvent, c'est que dans nos chambres, il ne faut pas ouvrir les rideaux pour comprendre où on est. Parce qu'en fait, déjà à l'intérieur de la chambre, on voit des petits rappels de la destination.